Abu Huraira radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans les sunnans de l'imam al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'entre vous va prendre de moi ces paroles pour les mettre en pratique ou bien pour les enseigner à ceux qui les mettront en pratique. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, moi, ô envoyé d'Allah. Il a alors pris ma main et a compté 5 et a dit, crains, c'est-à-dire éloigne-toi des interdits, tu feras partie de ceux qui adorent le mieux Allah. Et sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu feras partie des gens les plus riches. Et sois bienfaisant envers ton voisin, tu seras croyant. Et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi, tu seras musulman. Et n'abuse pas dans le rire, car l'abus dans le rire tue le cœur. Hadith jugé bon par Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Jawami'ul Kalim. C'est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que quelques paroles, quelques phrases constituées de quelques mots ont énormément de sens et ont un impact immense. Et c'était une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous encourage à mettre en pratique ses conseils et de les enseigner à ceux également qui les mettront en pratique, car la félicité dans cette vie d'ici-bas intervient après que la personne s'est améliorée et qu'elle ait fait en sorte que les autres s'améliorent. Ainsi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a juré dans Surat al-Asr, Surat le temps, par le temps, l'être humain est certes dans la perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils se perfectionnent eux-mêmes. Et il a dit Allah Azza wa Jal, et ceux qui se conseillent mutuellement la vérité, et ceux qui se conseillent mutuellement la patience, et ceci pour que les autres s'améliorent. Et Abu Huraira radiallahu anhu n'a pas hésité à dire, moi, ô envoyé d'Allah, je me porte volontaire pour prendre de toi ces paroles, pour les mettre en pratique et pour les enseigner également. Et ceci prouve la grande motivation et le dévouement de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des compagnons qui ont réuni et qui nous ont rapporté le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors pris ma main, ainsi le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait la main de celui à qui il enseignait et il a compté 5. Il a compté 5. On peut comprendre de cette parole d'Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté les 5 paroles ou les 5 directives qui allait lui diriger, ou bien alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté les 5 doigts de la main d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son enseignement et a dit, crains les interdits, tu feras partie des gens qui adorent le mieux Allah. C'est-à-dire, prends garde de ne pas tomber dans l'interdit et abstiens-toi de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et Allah azza wa jalla nous a explicitement décrit toutes les choses interdites dans son livre sacré, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna purifiée. Les interdits sont présents donc dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est rapporté comme étant interdit est alors interdit.
mais l'on peut aussi déduire l'interdiction de la mise en garde que peut faire Allah Azza wa Jal ou que peut faire son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut déduire également l'interdiction d'une chose lorsque il y a une menace, lorsqu'Allah Azza wa Jal menace d'un châtiment ou lorsque son prophète sallallahu alayhi wa sallam menace d'un châtiment, cela signifie que cette chose est interdite. اتقِ المحارم تكن أعبد الناس أي من أعبدهم لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض فبالاتقاء المحارم تبقى الصحيفة نقية فالقليل من التطوع من ذلك ينمو وتعظم بركته فيصير ذلك المتقي من أكابر العباد ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن تعظيم المحارم خير للعباد فقال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل فكما يجزيه على فعل الطاعات ثوابا كثيرا وأجرا جزيلا كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. Le prophète صلى الله عليه وسلم a donc dit à Abu Huraira, éloigne-toi des interdits, tu feras partie des gens qui adorent le mieux Allah. C'est-à-dire que tu adoreras le plus Allah Azza wa Jal, car le fait de délaisser les interdits implique clairement l'accentuation des adorations et le fait de faire les obligations et de délaisser les interdits va faire en sorte que tes péchés seront moindres et donc que le peu de bonnes actions que tu feras t'apportera énormément de bien. Et elles ne seront pas effacées ni annulées par des interdits. Les adorations donc que tu feras seront bénies par Allah Azza wa Jal et t'apporteront un immense bien. Et Allah Azza wa Jal nous a montré dans son livre l'importance de connaître la gravité et de ressentir la gravité des péchés. Ainsi Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Hajj, le verset 30, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Celui qui donne aux interdits d'Allah leur juste valeur. Celui qui donne aux interdits d'Allah la grande considération qu'il faut avoir. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit en expliquant ce verset, c'est-à-dire celui qui s'abstient de la désobéissance et des interdits d'Allah et pour qui le fait de commettre un interdit est immense, eh bien cela sera meilleur auprès de son Seigneur. Cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le récompensera grandement. Et de la même sorte que les bonnes actions sont grandement récompensées, eh bien le fait également qu'il s'éloigne des interdits sera grandement récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ فمعناه اقنع بما أعطاك الله واجعله حظك من الرزق تكن أغنى الناس فإن من قنع استغنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض والعرض هو ما ينتفع به من متاع الدنيا ولكن الغنى غنى النفس وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني
رحمه الله في كتابه الفتح والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلب ولا يحلف في السؤال بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدا والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكن ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغني فارضى يا عبد الله ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه آمنا في سربه يعني في أهله لا يخاف من عدو على أهله وعياله من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده أي سالما من العلل والأسقام والأمراض عنده قوت يومه أي عنده ما يكفيه من أكل وشرب في يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي فكأنما جمعت له الدنيا بكمالها وتمامها وقوله عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وإذا رأيت من هو أكثر من كمالا وولدا أيها المسلم فاعلم أن هناك من أنت أكثر منه مالا وولدا فانظر إلى من أنت فوقه ولا تنظر إلى من هو فوقك فإلى هذا أرشدك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم أي إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم في صحيحه Éloigne-toi des interdits, tu feras partie des gens les plus adorateurs. Et sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu feras partie des gens les plus riches. C'est-à-dire, sois satisfait et contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme pourvoyance. Et contente-toi de cela, tu feras alors partie des gens les plus riches. Car celui qui sait se contenter s'enrichit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse, ce n'est pas dans l'accumulation des biens de cette vie d'ici-bas, mais la richesse, c'est la richesse de l'âme. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Fath, dans lequel il explique l'authentique de l'imam Al-Bukhari, il dit, rahimahullah, celui qui est doté de la richesse de l'âme se contentera de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme pourvoyance. Il ne cherchera pas plus sans besoin. Il ne demandera donc pas, il ne jurera pas pour demander. Mais il se contentera de ce qu'Allah azza wa jal lui a donné. Il est considéré ou il sera comme étant toujours rassasié. Quant à celui qui est doté de la pauvreté de l'âme, c'est totalement le contraire. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il a et de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé et il cherche toujours plus. Et ceci, quels que soient les moyens et les efforts où il est prêt à donner ou à produire tous les efforts et à utiliser tous les moyens pour avoir toujours plus. Et lorsqu'il n'a pas, c'est alors qu'il devient triste et qu'il est pris de regret. Il est alors en réalité pauvre. Il est en réalité pauvre car ne se contentant pas de ce qu'il a,
il n'est pas considéré, il ne se considère pas comme un riche. Sois donc satisfait et contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé et rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se trouve en toute sécurité auprès de sa famille, c'est-à-dire qui n'a pas peur qu'un ennemi vienne lui porter atteinte ou porter atteinte à sa famille, qui est épargné dans son corps, c'est-à-dire que son corps est sain, est épargné de maladies et de douleurs, et qui a de quoi boire et de quoi manger dans son jour, alors cela est comparable ou cela équivaut à ce que la terre lui est rassemblée devant lui. Il est comparable à celui dont la terre est à sa disposition dans sa totalité. Il est comparable à celui qui a devant lui la terre et ce qu'elle contient à sa disposition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, a connu la félicité celui qui s'est converti, c'est-à-dire celui qui s'est soumis à Allah azza wa jal, et dont la pourvoyance lui suffit, et à qui Allah azza wa jal a accordé le fait d'être satisfait de ce qu'il a. Et lorsque tu vois, chers musulmans et chères musulmanes, lorsque tu vois des personnes qui ont plus de biens et plus d'enfants que toi, sache également que toi, tu as plus de biens et plus d'enfants que d'autres personnes. Regarde donc toujours ceux qui sont en dessous de toi et ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi, car c'est à cela qu'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih, regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, cela est plus propice, ou de peur que vous ne minimisiez les bienfaits d'Allah sur vous. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا يعني كامل الإيمان لأن الإيمان كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات وقد أمر الله بالإحسان إلى الجيران فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وأما في السنة فقد كثرت الأحاديث أيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وقوله عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره فإن لم تقدر أيها المسلم على الإحسان إلى جارك فكف الأذى إن أذى الجار محرم الأذى بغير حق عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره فإن لم تقدر أيها المسلم
على الإحسان إلى جارك فكف الأذى. إن أذى الجار محرم، الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. واسمع إلى حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن المقداد بن الأسود، وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بعض أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، والعياذ بالله. Éloigne-toi des interdits, tu feras partie des plus grands adorateurs. Et sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu feras partie des gens les plus riches. Et sois bienfaisant envers ton voisin, tu seras croyant. Tu seras croyant, c'est-à-dire que ta foi sera complète. Car la foi, comme cela est approuvé, ou comme cela doit être la croyance de chaque musulman, la foi augmente et diminue. Elle augmente grâce aux adorations et elle baisse à cause des péchés et des désobéissances. Et Allah Azzawajal, dans son livre sacré, nous a ordonné d'être bienfaisants envers les voisins. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 36 de Sourate les Femmes: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bienfaisance envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont également nombreux à ce sujet. Parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole lorsqu'il dit: Jibril n'a cessé de me conseiller sur le voisin jusqu'à ce que j'ai cru que ce voisin allait avoir une part d'héritage. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Muslim dans son Sahih: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan: les meilleurs des amis ou les meilleurs des compagnons chez Allah sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs compagnons. Et les meilleurs voisins auprès d'Allah sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs voisins. Si tu ne peux pas, chers musulmans et chères musulmanes, si tu ne peux pas être bienfaisant envers tes voisins, alors au minimum, épargne-les de ton mal. Car le mal ou d'offenser le voisin est interdit. L'offense envers quiconque sans droit est interdite, mais l'interdiction est d'autant plus prononcée lorsque il s'agit du voisin. Et écoutez un hadith rapporté par Al-Imam Ahmed dans son Musnad, et c'est un hadith authentique, selon Al-Miqdad ibn al-Aswad. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à certains de ses compagnons: que dites-vous sur la fornication? Ils ont dit: elle est interdite. Elle est interdite. Allah ainsi que son envoyé l'ont interdit. Et la fornication est interdite jusqu'au jour dernier, jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme fornique avec 10 femmes est moindre que de forniquer avec la femme de son voisin. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: que dites-vous sur le vol?
Ils ont dit, il est interdit. Allah et son envoyé l'ont interdit, donc le vol est interdit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme vole 10 maisons, cela est moindre que de voler la maison de son voisin. اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وقال عليه الصلاة والسلام أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما أي تكون كامل الإسلام وهو يفيد على قدر نقصان هذا الحب وهو يفيد أنه على قدر نقصان هذا الحب ينقص الإسلام وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصلة دخول الجنة فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار أي أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته أي فليمت وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وفي الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها فإن كانت الفضيلة دينية كان حسنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أي على أهله في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Éloigne-toi des interdits, tu feras partie des plus grands adorateurs. Et contente-toi de ce qu'Allah t'a donné, tu feras partie des où tu seras riche. Et sois bienfaisant envers ton voisin, tu seras croyant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi, tu seras musulman. C'est-à-dire que ton islam sera complet. Et cela veut dire également que plus tu aimeras pour les gens ce que tu aimes pour toi et plus ton islam sera complet et moins tu aimeras pour les gens ce que tu aimes pour toi-même et plus ton islam diminuera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du fait d'aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi, a fait de cela une caractéristique pour entrer au paradis. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim dans son sahih, celui qui aime ou celui qui aime être éloigné de l'enfer et entrer au paradis, qu'il meure en étant croyant, en croyant en Allah et au jour dernier, et qui aime faire aux gens ce qu'il aime que l'on lui fasse, et qui aime faire aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. De façon générale, il est demandé aux musulmans et aux croyants d'aimer pour ses frères et sœurs croyants ce qu'ils aiment pour soi et de détester pour eux ce qu'ils détestent pour soi. Et s'il voit chez son frère un manque, qu'il le conseille afin que ce manque soit comblé. Et s'il voit chez son frère une qualité que lui n'a pas et par laquelle son frère le surpasse, alors qu'il espère avoir cette qualité et qu'il s'efforce pour l'acquérir. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ففيه النهي الظاهر عن كثرة الضحك وبيان سبب النهي وهو أن كثرة الضحك تميت القلب أي تجعله مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها شيئا من مكروه
وفي الحديث إذان بالإذن في قليل الضحك لا سيما للمصلحة، وهذا هو هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال تعالى عن سليمان لما سمع قول النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان جل ضحكه التبسم، كما في الصحيح عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا أي أصحابه يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، كانوا هم يضحكون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وهذه كانت عادته، فكان عليه الصلاة والسلام في أغلب الأحوال يتبسم. وقيل لعمر هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان والله أثبت في قلوبه من الجبال الرواسي. ولقد بلغ من سماحة الإسلام أن جعل التبسم وطلاقة الوجه عند لقاء الأخ لأخيه من الصدقات. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم في صحيحه. فإن الإسلام أيها المسلمون دين يقف مع الإنسان على أرض الحقيقة، لذلك لم يفرض على المسلمين أن يكون كل كلامهم ذكرى وكل صمتهم فكرى وكل فراغهم في المسجد، وإنما اعترف بهم وبفطرهم التي خلقهم الله عليها، وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون كما خلقهم يأكلون ويشربون. فلا بأس على المسلم إذن أن يتفكه وأن يمزح بما يشرح صدره، ولا حرج عليه أن يروح عن نفسه ونفوس رفقائه بلهو مباح، على أن لا يجعل ذلك ديدنه وخلقه في كل أوقاته، ويملأ به صباحه ومساءه فينشغل به عن الواجبات ويهزل في مواضع الجد. ولذا قيل أعط الكلام من المزح أو من المزح بقدر ما يعطى الطعام من الملح. Et ne rigole pas trop, car le fait de trop rire tue le cœur. Ceci est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas trop rire. Et la cause est que le fait de trop rire tue le cœur. C'est-à-dire que le fait de trop rire rend le cœur noir et met le cœur sur le même piédestal qu'un mort qui ne peut ni apporter un bien ni épargner un mal. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise également de rire, mais en faible quantité. Et cela était la voie des prophètes et des personnes vertueuses. Lorsqu'Allah azza wa jalla a dit sur Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a entendu la parole de cette fourmi, comme Allah azza wa jalla nous en informe dans Surat la fourmi, le verset 18, la fourmi a dit ô vous les fourmis, et c'était la reine des fourmis qui s'est adressée aux autres fourmis de sa fourmilière, ô vous les fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et Sulayman alayhi salam a entendu cette parole de cette fourmi, et Allah azza wa jalla a dit fatabassama dahikan min qawliha, il a alors souri après avoir entendu sa parole. Quant à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ses rires étaient des sourires, comme le rapporte
Jabir ibn Samura, qui côtoyait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque Sammak ibn Harb l'a questionné, et a dit à Jabir ibn Samura, côtoyais-tu souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui, très souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se levait de l'endroit où il avait prié la prière de Sobh jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Et lorsque le soleil s'était levé, il partait et il parlait, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait des faits qui ont eu lieu pendant la période anti-islamique. Il rigolait et lui souriait. Ses compagnons rigolaient quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se contentait de sourire. Et il a été dit à Omar ibn al-Khattab, est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam riaient? Il a dit oui, et leur foi par Allah était plus ferme qu'une montagne ancrée. Et l'islam a fait du sourire un acte par lequel le musulman est récompensé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, ne minimise aucun bien, même minime soit-il, même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. L'islam est donc une religion qui s'accorde avec l'être humain. Pour cela que l'islam n'a pas ordonné aux musulmans que toutes leurs paroles soient rappels, que tout leur silence soit réflexion, que tout leur temps libre se passe à la mosquée. Mais l'islam a pris en compte la nature de l'être humain, car le législateur de cette religion est Allah Azzawajal, et c'est lui qui connaît le mieux ses serviteurs. Pour cela qu'Allah Azzawajal a légiféré cette religion pour qu'elle soit en parfait accord avec la nature de l'être humain, un être humain qui est joyeux, un être humain qui rigole et qui s'amuse, un être humain qui mange et qui boit. Il n'y a donc pas de mal à rire, à plaisanter, à faire rire ses amis et ses frères, mais à condition que cela ne soit pas une habitude, à condition que cela ne se passe pas tout le long de la journée, à condition que cela ne remplisse pas ses matins et ses soirs, et à condition également que cela ne le préoccupe pas sur les obligations, et à condition également de ne pas rire dans les moments où il faut être sérieux. Et c'est pour cela qu'il a été dit, donne à la parole du rire ce que tu donnes au repas comme sel. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اجعلنا ممن يعمل بهذه الخصال الخمس اللهم اجعلنا ممن يعمل بهذه الخصال الخمس وممن يعلمها للناس لأجل أن يعملوا بها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين